Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Petites Découvertes. Je m'appelle Louis Legrand et je suis doctorant en astrophysique. Savez-vous que vos pieds sont un chouïa, un tout petit chouïa, plus jeune que votre tête? En effet, si vous vivez 80 ans et que vous mesurez 1m70, eh bien vos pieds seront plus jeunes que votre tête d'environ une demi-microseconde. Comment on sait ça? Eh bien c'est grâce à Albert Einstein et à sa théorie de la relativité générale. Cette théorie qu'Einstein a publiée en 1915 dit que l'espace et le temps et la matière sont reliés. Et cette conception en fait dynamite complètement ce qu'on pensait de la physique à l'époque, ce qui était la physique de Newton, où on pensait que le temps était absolu et que l'écoulement du temps était le même partout. Eh bien, grâce à la théorie de la relativité générale d'Einstein, on sait que l'écoulement du temps est relatif et qu'il dépend de la position à laquelle on se trouve dans l'espace. En fait, on peut imaginer l'espace-temps comme une nappe qui soit très tendue aux quatre coins, et si l'on pose une masse au milieu de cette nappe, comme par exemple la Terre, eh bien ça va déformer la nappe, ça va la courber. Eh bien, c'est pareil pour l'espace-temps, donc si la masse de la Terre va courber l'espace-temps, et plus l'espace-temps est courbé, plus l'espace-temps est déformé, et plus le temps va être ralenti. Et c'est illustré, ça, cet effet est illustré dans le film Interstellar, donc le film de science-fiction, où on voit des astronautes qui vont se rapprocher d'une planète qui est en orbite proche d'un trou noir. Et dans le film, on nous dit qu'une heure passée sur cette planète équivaut à 7 années de temps qui s'écoule très loin du trou noir, donc par exemple sur Terre. Et donc dans le film, ils vont s'approcher de cette planète et quand ils vont revenir, en fait l'astronaute qui est resté derrière, en fait est un vieillard. Pour lui, l'écoulement du temps était beaucoup plus rapide que pour ceux qui étaient proches du trou noir. Et bien ce phénomène, on l'observe sur Terre. On est capable aujourd'hui, avec les horloges atomiques les plus précises au monde, de mesurer la différence dans l'écoulement du temps entre une horloge atomique au-dessus et une horloge atomique en dessous, séparée de seulement 1 mètre d'écart. Et donc cette différence d'écoulement du temps, quand on est proche d'un champ gravitationnel fort, va faire que si vous vivez 80 ans, que vous mesurez 1m70, vos pieds seront plus jeunes, parce que l'écoulement du temps était plus ralenti, et donc seront plus jeunes d'environ une demi-microseconde par rapport à votre tête. Donc cet effet est très très faible. Mais si on n'en tient pas compte, eh bien, on ne pourrait pas utiliser le système de positionnement par satellite, donc le système GPS, parce que ce système repose en fait sur des mesures de temps de trajet d'un signal entre votre position et le satellite, et comme les satellites sont très loin du centre de la Terre, donc ils sont en orbite autour de la Terre, comme ils sont très loin, le temps s'écoule plus vite pour eux que pour nous. Donc aussi de l'ordre d'une microseconde, pas plus. Mais si on n'en tient pas compte de cet effet-là, on ne peut pas mesurer précisément votre position sur Terre, donc on ne peut pas utiliser le système de GPS. Voilà, donc c'est grâce à Albert Einstein qu'on peut utiliser des GPS aujourd'hui, et c'est grâce à lui que si vous voulez gagner une demi-microseconde d'espérance de vie, eh bien vous pouvez passer votre vie allongée, vous vivrez un tout petit peu plus longtemps.